Somme, tu as une couille. President, please be seated. Vous pouvez vous asseoir. The court is back in session. Reprise de l'audience. And the chamber would like to give the floor to the defense team for Mr. Kilsenbaum to submit the argument. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. La responsabilité supposée de Monsieur Kyosampan est évidemment, comme dans tout procès au pénal, le centre névralgique du jugement. C'est au cours de l'examen de cette responsabilité que l'on réalise à quel point la construction de ce jugement visait à la condamnation. C'est à ce moment-là que l'on voit quelle était son approche biaisée. Et là est le moment où je dois donner, même si nous vous l'avons expliqué au début de notre mémoire d'appel, quelques explications sur pourquoi nous avons rédigé notre mémoire de la façon dont nous l'avons fait. Il était important de pouvoir décortiquer par quel processus la Chambre était arrivée à la condamnation et quelles étaient les différentes strates qu'elle avait posées au long de son analyse et de sa réflexion pour arriver à la condamnation de M. Kyosampan. Et c'est pour ça que nous sommes partis de la partie 16 du jugement pour essayer de remettre de l'ordre chronologiquement et de replacer les faits dans leur contexte temporel à chaque fois pour évaluer à quel moment la Chambre trouvait l'origine de telle ou telle intention criminelle où elle trouvait l'origine de telles connaissances. Et c'est pour ça que nous avons rédigé notre mémoire dans ce sens-là. Alors évidemment, ce n'est pas en 50 minutes que nous allons pouvoir aborder de façon exhaustive toutes les erreurs de la Chambre sur la responsabilité de l'appelant. Nous avons essayé de faire ce travail dans le cadre de notre mémoire d'appel. Aujourd'hui, je vais d'abord me concentrer évidemment sur les erreurs de droit de la Chambre et surtout faire en sorte de répondre aux questions que vous nous avez posées en répondant au passage à certains arguments des coprocureurs. Tout d'abord, un premier point que j'ai évoqué un petit peu dans le cadre des crimes et que je rappelle à nouveau ici, c'est important, la question de l'accessibilité et de la prévisibilité des modes de responsabilité. Dans notre mémoire d'appel, c'est au paragraphe 68 à 98. Kyosampan ne pouvait pas envisager les modes de responsabilité sophistiqués du droit pénal international coutumier en 1975, même les modes de responsabilité de cette époque-là. Mais même si aujourd'hui on se pose la question, il faut se rappeler du contexte de l'époque. Monsieur Kyosampan est au Cambodge. Il vient de passer X années dans le maquis. Le seul système qu'il connaît pour y avoir vécu la plus grande partie de sa vie, c'est le système dualiste du système juridique cambodgien où il n'y a pas d'application automatique des normes internationales au système national. Ça, c'est un élément de contexte, c'est important à l'avoir. En 1975, il est clair qu'il n'était pas en mesure d'envisager ce que c'était l'entreprise criminelle commune. Qu'il y ait eu des discussions, comme je le rappelais ce matin, devant les TPI à partir des années 90 sur ces questions, rappelons quand même que lorsqu'on parle d'entreprise criminelle commune avec ce vocable-là, on ne le connaît qu'avec les TPI. Au niveau de la réponse des coprocureurs à cet argument-là, voilà ce qu'ils nous disent. Ils se contentent en fait d'indiquer que la gravité des crimes suffisait à rendre évidente la supposée conduite criminelle de l'appelant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Là, je renvoie à leur mémoire, paragraphe 26. En réalité, les coprocureurs savent parfaitement qu'ils font fausse route
puisqu'ils ont délibérément omis de présenter l'intégralité du raisonnement que vous avez suivi dans le cadre de l'arrêt. Et rappelons, avant d'aborder plus exactement ce que vous avez dit dans cet arrêt, que le comportement criminel de quelqu'un, c'est un actus reus et une mens rea. Le principe de l'égalité s'applique donc à chacun de ces deux éléments constitutifs. On ne peut pas en faire l'économie. Et le principe de l'égalité s'applique non seulement au crime, comme on l'a vu, mais également au mode de participation. Dans le paragraphe 96 de l'arrêt Duc, vous faites la même citation que font de la décision Adzianovic au sujet de la prévisibilité, et vous dites que certaines lois peuvent être considérées comme ayant été accessibles aux accusés. Mais vous poursuivez, toujours au paragraphe 96, en déclarant qu'une chambre peut s'appuyer sur le droit interne pour établir qu'un accusé aurait pu raisonnablement savoir que le crime en question ou celui commis de la manière décrite par l'acte d'accusation était prohibé ou punissable. Et c'est précisément notre argument. Mais vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous exposez qu'il y a une obligation de vérification des critères, des éléments constitutifs des crimes et des modes de participation. Là, je renvoie au paragraphe 97 de l'arrêt Duc, où vous dites que les CETC avaient l'obligation, compte tenu du principe de l'égalité et des protections attachées à ce principe, de s'assurer que les critères définissant les éléments constitutifs des crimes ainsi que des modes de participation retenus étaient prévus par le droit durant la période relevant de la compétence rationnée temporis. Ils doivent en outre avoir été prévisibles par les accusés et leur avoir été accessibles. Voilà le principe que vous avez posé dans l'arrêt Duc. Et vous avez même souligné, toujours au paragraphe 97, qu'une évaluation minutieuse et rationnelle de ces critères est indispensable pour garantir la légitimité des CETC et des décisions qu'elles prennent. À la lumière de ce que vous avez dit, la réponse des coprocureurs pour soutenir la position de la Chambre est loin d'être convaincante. Je renvoie bien évidemment à nos développements sur l'entreprise criminelle au paragraphe 68 à 73 de notre mémoire d'appel. Mais avant d'en arriver plus précisément à la question que vous avez posée sur l'entreprise criminelle telle qu'elle aurait pu exister en 75, il me convient quand même de rappeler que dans l'interprétation de la Chambre de ce qu'est l'entreprise criminelle commune de forme 1, il y a une erreur fondamentale puisqu'elle lui applique la mens rea de l'ECC de forme 3. La Chambre s'est complètement fourvoyée dans, dans sa définition de la mens rea de l'ECC 1 et elle a tenté de légitimer cette erreur au moyen d'une interprétation extensive de l'actus reus. Et là, je vous renvoie au jugement au paragraphe 694 et 696. Les divers critères sur lesquels elles se fondent pour arriver à cette position n'existaient pas plus à l'époque des faits incriminés qu'aujourd'hui. Ça, nous le verrons dans un instant. Mais quand tout est à cause, son interprétation est fausse et on ne pouvait en aucun cas engager une telle forme de responsabilité pour M. Kessampan. Rappelons que la Chambre, au départ, fait un rappel correct de l'actus reus. Elle dit d'abord qu'il faut qu'il existe un projet commun qui consiste à commettre un crime ou qui en implique la perpétration. C'est en droite ligne avec la décision
qui avait été rendu du 12 novembre 2011, document E100-6, dans laquelle elle avait exclu l'application de l'ECC3. Le problème, c'est qu'après avoir fait ce rappel correct, elle va glisser et elle fait un glissement sémantique sur le projet commun. Et là, elle dit qu'un projet commun peut soit tendre en tant que tel à la commission de crime, soit envisager la commission de crime comme moyen d'y parvenir. Que nous dit-on de l'autre côté de la barre face à cette critique que nous formulons ? Paragraphe 313 de la réponse des coprocureurs, on nous dit qu'il n'y a pas de différence. Et pourtant, la différence est importante. Ces formulations différentes, elles ont une signification différente. Et là, avant même de faire du droit, on va faire simplement du vocabulaire. Un plan commun qui implique la perpétration d'un crime, et là, je renvoie au jugement paragraphe 692, qui renvoie à l'arrêt TADIC, et là, nous sommes d'accord, nous sommes sur la bonne définition. Cela veut dire qu'il est certain qu'un crime sera commis du fait de la réalisation de ce but commun. Le crime en fait intrinsèquement partie de ce but commun. À l'inverse, un plan commun qui ne fait qu'envisager la perpétration d'un crime, là c'est le paragraphe 696 du jugement, est un plan commun pour lequel il y a une éventualité de la commission d'un crime. C'est une possibilité. Ça n'en fait pas intrinsèquement partie. Et l'on voit bien que dans cette formulation différente, la Chambre a introduit un élément de probabilité qui n'existe pas au départ dans l'actus reus de l'entreprise de crime criminelle commune de forme 1. Elle baisse son standard. Et on voit bien dans cette formulation différente qu'il y a une volonté de baisser son standard pour arriver à un but. Et pourquoi ? Et c'est ce que je vous dis depuis hier en parlant des déformations de la preuve, après en parlant des déformations pour l'actus reus et surtout la mens rea des crimes. On a besoin d'abaisser ce standard parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve pour arriver à atteindre un standard correct qui permette de dire que M. Kyusampan avait la volonté de commettre tel crime. Et ça nous amène, bien évidemment, maintenant à répondre à votre question sur l'état du droit international coutumier en 1975 en ce qui concerne les crimes incertains ou probables. Votre question exacte, pour ne pas la déformer, est la suivante. Vous demandez si, en application du droit international coutumier, tel qu'il était en 1975, la responsabilité pénale individuelle fondée sur l'entreprise criminelle commune dans sa forme élémentaire, pour autant qu'elle existait à l'époque des faits, aurait obligatoirement nécessité que l'auteur ait cherché à ce que les crimes en question soient commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un objectif commun, dans le sens où la commission des crimes est-elle l'objectif commun, ou si elle englobait également les situations dans lesquelles l'auteur savait que, dans le cours normal des événements, les crimes en question A seraient ou B pourraient être commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un objectif commun. Avant de rentrer dans mes développements, il faut que j'aille un petit peu plus doucement. Je vais essayer de ralentir, Monsieur le Président. Je vais pas être traduction, mais I will try to slow down, Mr. President. I didn't hear the translation of what you said. Je suppose que c'est un trait à la vitesse de mon débit. Je vais essayer de ralentir. That it has to do with my speed. So donc, avant de rentrer dans mes développements et de faire une revue de la jurisprudence que nous avons d'époque, the case law that existed at the time, je vais répondre pour qu'il n'y ait pas de suspense que pour nous, effectivement, la réponse est claire, il n'y a pas de place pour les crimes incertains. There is no room for uncertain crimes. Les crimes en question doivent faire partie du projet commun et l'auteur doit avoir l'intention de commettre un crime spécifique. And the perpetrator of that crime should have il faut que l'auteur ait l'intention que des crimes soient commis lors de la mise en œuvre du projet commun, ceci de manière certaine. Et la revue de la jurisprudence du tribunal militaire international, les procès de Nuremberg ne disent pas le contraire. The Nuremberg trial, we find that the
case law doesn't tell us anything. Alors, from je ne vais pas rentrer dans les discussions doctrinales, puisqu'il y a eu de nombreuses discussions sur le fait de savoir, on est d'accord que la notion en tant que telle d'entreprise criminelle commune, ce vocable, cette qualification, n'existe pas avant les TPI. Elle a été élaborée par la suite. On a fait un parallèle entre l'entreprise criminelle de forme 1 et, je vais dire le mot en anglais pour ne pas déformer, et la conspiracy. Et c'est, a priori, ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'est l'entreprise criminelle commune. Donc, je n'entre pas sur les discussions doctrinales et même jurisprudentielles, notamment l'affaire Milutinovic, où il y avait une comparaison entre les deux qui visait à montrer que peut-être ce n'était pas la même chose. Mais partons du principe qu'il y a de grandes similarités. Partons sur ce principe. D'autant plus que... je peux rappeler la décision de Nuremberg, où, dans les actes d'accusation, on se référait toujours en anglais to a common plan or conspiracy. À un plan commun ou à une conspiration. De la même façon qu'on le retrouve également dans les travaux. Le code des crimes de la Commission de droit international de 1996, où on parle, là je dis toujours en anglais, the principle of individual responsibility for formulating a plan or participating in a common plan or conspiracy to commit a crime. Conspiration pour commettre un crime. Fin de citation. End of quote. Et ce que nous soutenons devant la Chambre, c'est qu'il est impossible de tirer argument de la jurisprudence des procès de Nuremberg pour dire qu'il y a, même dans le cadre de cette conspiracy, un standard moins élevé que celui prévu dans le CC1, tel que rappelé ou tel que déterminé dans Tadić. The joint criminal enterprise as ni la Chambre de première instance, ni les coprocureurs ne peuvent raisonnablement soutenir qu'au vu de la jurisprudence de Nuremberg, avant 75 et en 75, le droit international coutumier prévoyait un standard moins élevé que la volonté de participer, la volonté de commettre un crime. C'est impossible. Il cite plusieurs affaires. L'affaire des Einsatzgruppen, l'affaire Schoenfeld et l'affaire Paul. Alors, il est important que je rappelle que la plupart du temps, nous n'avons pas forcément les jugements dans leur intégralité. Il y a un grand nombre de cette jurisprudence qui a été rappelée. Cité abondamment dans la jurisprudence Tadić, et je vous demande votre bienveillance dans la manière dont je vais citer parfois certains extraits, sachant que c'est souvent des extraits de Tadić avec les traductions de Tadić. Et c'est important de faire cette revue de manière chronologique pour montrer qu'il y a une continuité dans cette jurisprudence. In this case law. D'abord, first of all, en dehors de ce que a pu citer les coprocureurs, c'est important de se rappeler que dans l'affaire Sandrock, le procès d'Almelo, novembre 1945, nous avons trois Allemands déclarés coupables du meurtre d'un prisonnier britannique. Three cases of persons. Évidemment, nous sommes dans le cadre de crimes de guerre. Puisque le droit militaire, comme nous l'avons rappelé encore ce matin, était une source essentielle dans le cadre de ces affaires. Et dans cette affaire, l'assesseur rappelle, il était indiscutable, à mon sens, que les trois Allemands savaient ce qu'ils faisaient et s'étaient rendus là dans le seul but de tuer cet officier. Vous n'êtes pas sans savoir que si des personnes sont toutes présentes ensemble, au même moment, participant à une entreprise illicite commune, contribuant chacune à sa façon à l'objectif commun, elles sont toutes également coupables en droit. C'est important de rappeler les faits de l'espèce, puisque nous sommes dans le cadre, oui, d'une entreprise illicite commune, comme il l'est dit dans cet extrait, avec des personnes présentes, participant à cette entreprise et qui savent exactement que le but est illicite, tuer quelqu'un.
Le crime doit donc être planifié. Il ne s'agit pas d'un crime éventuel, il ne s'agit pas d'un crime probable, c'est le plan qui a un but criminel en soi. Avril 1946, l'affaire Holzer et consort. Nous sommes cette fois-ci devant le tribunal militaire canadien. Et là, l'assesseur parle d'entreprise commune s'agissant du meurtre d'un prisonnier de guerre canadien par trois Allemands. Et c'est cité dans Tadic, a souligné que ces trois personnes savaient qu'elles emmenaient la victime en un endroit précis dans l'intention de la tuer. Là encore, on parle d'entreprise commune, mais toutes les personnes membres de cette entreprise ont un plan qui est en soi criminel. Août 1946, affaire Jespin et consorts. Là encore, cité dans Tadic. Je cite, « Si Jepsen a pris part à ce massacre délibéré de quelques 80 personnes, aidant les autres en faisant sa part de la besogne, l'ensemble des quelques 80 meurtres peuvent lui être imputés, ainsi qu'à chacun des hommes qui ont d'une quelconque manière aidé à commettre cet acte. » Là encore, on pourrait parler de complicité, mais enfin, en tout cas, c'est une participation active à un plan en vue de commettre un acte qui est criminel en soi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crime incertain. Le but est d'aller commettre ces 80 meurtres. Analysons maintenant la jurisprudence telle qu'elle est citée par l'accusation, ou en tout cas, dont j'ai compris qu'ils vont faire état. Juin 1946. We have here affaire Schoenfeld. June 1946, the Schoenfeld cette jurisprudence, case. Enfin en tout cas, on a un extrait we have an extract of this de, case law, du rapport sur cette affaire. On that case. Et voilà l'extrait qu'ils ont a priori l'intention d'utiliser. The extract they intend to use, that is the co-prosecutor's intent to use, and it states si plusieurs personnes s'associent dans un but illicite ou dans un but licite en ayant recours à des moyens illicites et que l'une d'elles réalise cet objectif et tue quelqu'un, ce meurtre est imputable à toutes les personnes présentes, à condition qu'il ait été commis par un membre du groupe, tandis qu'il s'employait à mener à bien l'objectif commun du groupe. Fin de citation. Alors, cette citation, quand on la prend hors contexte, on ne comprend pas forcément quelle est la valeur et à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une conclusion des juges dans le cadre de ce procès? Eh bien non. Il est important de noter, lorsqu'on se réfère aux documents des coprocureurs, que ce qui est cité ici est une disposition de droit anglais qui est faite par le judge advocate. Alors, je ne suis pas une experte dans les tribunaux de l'époque. Mais si je comprends bien, c'est soit un juge assesseur, soit un procureur, en tout cas, qui donne des conseils au tribunal. Donc c'est un rapport qu'il fait. Nous n'avons pas la motivation du jugement sur la question. Donc de dire que c'est de la jurisprudence serait bien aller trop loin. Nous n'avons pas de jugement écrit, mais simplement la conclusion des parties sur la question. Mais surtout, même si nous n'avons pas la trace du raisonnement exact, tel que le tribunal a ensuite jugé l'affaire. Ce qui est important, c'est qu'un petit peu plus loin, il y a d'autres explications qui sont données. Et quand je dis qu'il n'y a pas de traces exactes du raisonnement de la Chambre, c'est dit dans le document. The military court did not. Le tribunal militaire n'a bien évidemment its reason for deciding as it did. Stipuler les raisons de sa décision. Et là, c'est le Law Report, Court's Indulgence, volume 11, page 71. We are talking of Law Report, donc, volume on ne peut pas dire 11, que nous avons un jugement sûr qui va sur ce point, mais il faut aussi rappeler les circonstances de l'espèce. Dans l'affaire Schoenfeld, les juges étaient amenés à s'interroger sur la complicité de membres d'une unité militaire qui, participant à une arrestation, aurait été présent au moment où un certain Rotschop avait exécuté de façon illégale trois hommes. Donc déjà, au niveau de la responsabilité, on est peut-être plus
dans le domaine de la complicité que dans le domaine de la conspiracy. Mais je continue. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le même juge avocat qui a cité la disposition de droit militaire anglais, qui est l'extrait que veulent utiliser les coprocureurs, le judge avocat dit plus loin autre chose et il résume la problématique. Voilà ce qu'il résume. If the court, excusez-moi, j'ai oublié de prévenir que je parlais en anglais. If the court takes the view that the object of the visit to the Deepen Strat 49 was in its origin lawful, that is to say, to effect arrests, and was being carried out by lawful means, but that in the course of its prosecution, Rothschild kills the three men, but that the others did not aid or abet such killing, then, no doubt, the court would find them not guilty of the charge of being concerned in the killing. Fin de citation. End of quote. En ce qui concerne ces meurtres. Fin de la citation. Donc là, que l'on envisage la question sur le plan de la complicité ou sur le plan d'un plan commun, en tout état de cause, la problématique telle que résumée par le même judge advocate qui a rappelé la norme de droit anglais, la norme de droit militaire anglais, lui, quand il résume la problématique, il dit bien qu'il faut qu'il y ait une participation ou une implication dans un objectif qui est criminel en soi. In a purpose that is criminal in itself. Et la jurisprudence qui vient ensuite vient conforter cette analyse. Et là, je renvoie and like to à l'affaire Comzano, août 1948, également cité dans l'arrêt Tadic. Quoted in the Tadic appeal judgment, il importe qu'un accusé, avant d'être reconnu coupable, ait été impliqué dans le crime. Être impliqué dans la perpétration d'un crime ne signifie pas seulement que l'intéressé soit la personne qui a infligé le coup mortel et causé directement la mort de la victime, que ce soit par un coup de feu ou par tout autre moyen violent, mais suppose également un degré de participation indirecte. En d'autres termes, il doit être le rouage dans la succession des événements qui a conduit au résultat qui s'est effectivement produit. Il peut parvenir à ses fins non seulement en donnant l'ordre de commettre un crime, mais aussi par divers autres moyens. La question qui est ici n'est pas de savoir si c'est un crime improbable ou incertain, mais la question est de savoir si c'est une participation directe ou indirecte. Il n'empêche que la connaissance du but doit être celle de savoir qu'on sait que c'est pour un crime. Il était nécessaire que l'accusé ait eu connaissance du but envisagé de l'entreprise criminelle, la partie criminelle de l'entreprise criminelle commune. Et quand je dis la partie criminelle de l'entreprise criminelle commune, c'est qu'il convient de rappeler que dans le cadre du procès qui nous occupe, et les juges d'instruction et la chambre ont retenu que l'instauration d'un régime socialiste au Kampuchea démocratique n'était pas en soi un but criminel, mais qu'il y aurait eu des politiques qui auraient impliqué ensuite la perpétration d'un crime. Et ce que nous avons toujours dit au niveau de l'équipe de Kyo Sampan pour la défense de notre client, ce que nous avons toujours soutenu, que ce soit à la barre ou que ce soit dans les écritures, c'était de dire que jamais la Chambre n'apporte la preuve que Kyo Sampan ait collaboré à un moment avec le régime du Kampuchea démocratique dans le but de commettre un crime. Il y avait un projet politique et jamais la Chambre ne détermine quelle serait la partie criminelle du but commun et quelle serait l'implication et la contribution significative de Kyo Sampan à une partie criminelle du commun. Je reviens à la jurisprudence d'époque, la nécessité de prouver la connaissance du criminel. Il est nécessaire de prouver que lorsqu'elle a pris part au crime, elle en connaissait le but envisagé. C'est important. Une personne est effectivement impliquée lorsqu'elle connaissait le but envisagé de ses actes.
Autre jurisprudence, l'affaire Paul, le procès des WHA 1948. Dans cette affaire, ont été déclarés coupables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Plusieurs accusés qui avaient en charge à différents niveaux le fonctionnement du camp de concentration. Là encore, il est intéressant de noter que pour chacun des accusés, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois que mon temps file, que pour chacun des accusés, le rapport, en tout cas c'est ce qui en ressort, indique qu'ils avaient soit un rôle ayant un lien direct avec la commission des crimes ou ayant un rôle qui a joué un qui a été un élément indispensable à la commission du crime. Pour aucun des condamnés, la notion du but commun autre que le criminel n'est envisagée. For none of the defendants, the notion of anything else than the criminal purpose is considered. Même chose. The same thing pour une autre jurisprudence que les procureurs veulent utiliser, 1951, l'affaire des Einsatzgruppen. The Einsatzgruppen case. Là encore. Here, once again. Il est rappelé, il ressort des documents, de la nécessité d'être lié à la perpétration du crime. On ne parle pas d'un projet autre que celui de la perpétration d'un crime. Voilà ce qu'on peut lire, et ça, encore une fois, tel que rappelé dans l'arrêt Tadić. Ainsi sont coupables non seulement les auteurs principaux, mais aussi les complices, ceux qui consentent à prendre part à la perpétration d'un crime et qui sont mêlés à des projets ou entreprises liés à une telle perpétration, ceux qui ordonnent ou encouragent le crime et ceux qui appartiennent à une organisation ou à un groupe cherchant à commettre un crime. Là encore, le but est clair. Crime it soit envisagé, crime, il faut a crime que to be considered. The crime has to be the purpose. Et and je vais passer pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il me reste encore much pas mal de choses à aborder, mais simplement, like that, il a été retenu que tous les membres savaient que le but était d'exécuter un programme de meurtre à grande échelle. C'est la jurisprudence at a large scale. Telle qu'on la comprend du rapport. Such as we understand it from the report. Donc là encore, le but commun dans la présente affaire, c'est qui nous occupe, n'est pas, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les couches d'instruction, c'est la chambre, le premier instance. Le but n'est pas, le but commun n'est pas criminel en soi, et c'est ce que nous avons soutenu en disant que s'il n'est pas criminel en soi, il faut non pas que nous disent que il a participé au but commun de façon générale, qui n'est pas criminel en soi, mais à quelle partie il a participé et quelle contribution significative il a apporté pour la commission des actes criminels. Voilà pour la jurisprudence de l'époque et voilà pour la réponse à votre question. En fonction de la jurisprudence de l'époque, essentiellement, donc qui correspond essentiellement au procès de Nuremberg, il n'y a pas de place pour le crime incertain, il n'y a pas de place pour le crime éventuel. Et la question que je rappelais encore ce matin et que j'ai rappelée au début de mon propos, la question essentielle demeure, à savoir quelle était l'accessibilité et la prévisibilité de ce type de mode de responsabilité à M. Kirsten-Paul. Encore une fois, 1975, il est dans le maquis. Il sort, nous sommes dans un Cambodge ravagé. Où est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité pour quelqu'un comme M. Kirsten-Paul d'aller s'asseoir dans une bibliothèque et d'aller expliquer, savoir comment on pourrait interpréter de façon extensive un mode de responsabilité, de conspiracy comme devant les tribunaux de Nuremberg, et encore plus avec un dol éventuel qui n'existe absolument pas dans la jurisprudence que je viens de voir avec vous. Et puis, soyons nets, ni les neither the co-investigating judges, ni la chambre préliminaire, the pre-trial chamber, ni la chambre de première instance, the trial chamber, ni les procureurs à aucun stade du débat n'ont soulevé cette notion qui aurait pu exister en 1975. Alors, si plus de 40 ans après les faits, plus de 15 ans après l'arrêt Tadić, vous êtes les premiers à poser la question, inutile de vous dire que ce n'est pas M. Kirsten-Paul, du fond de son maquis ou au sortir de son maquis, qui pouvait avoir l'idée
de penser à une telle forme de mode de responsabilité. Donc nous maintenons d'autant plus fort que la Chambre a commis une erreur de droit sur l'élément moral en abaissant l'intention de commettre un crime spécifique à un standard de moindre degré qui serait la conscience que des crimes seraient très probablement commis. Là, je renvoie à notre mémoire, paragraphe 68 à 71. Et je rappelle sur le CC1 que l'arrêt Gvoka que la Chambre cite à l'appui de son affirmation ne dit jamais que c'est l'intention de participer. Il dit bien intention de réaliser le but commun et que par ailleurs la jurisprudence est limpide. Jurisprudence is very clear about this. Arrêt Tadic, paragraphe 228. Par contre, en parlant de l'ECC1, par contre, l'élément moral mens rea varie en fonction de la catégorie dont relève le dessein commun en question. S'agissant de la première catégorie, l'élément requis est l'intention de commettre un crime spécifique. Cette intention étant partagée par l'ensemble des co-auteurs. Arrêt Vasily Djevitch, paragraphe 101. La mens rea varie en revanche en fonction de la catégorie de l'ECC envisagée. S'agissant de la forme élémentaire de l'ECC, l'élément requis est l'intention de commettre un crime précis. Cette intention étant partagée par tous les co-auteurs. Purpose has to be shared by all of the co-perpetrators. On peut encore poursuivre. And we can continue. L'arrêt Stakic, paragraphe 65. Appeal judgment, for example, paragraph 65. La mens rea requise pour conclure à la culpabilité varie en fonction de la catégorie de l'ECC envisagée. S'agissant d'une ECC de première catégorie ou élémentaire, il faut prouver que l'accusé et les autres participants à l'ECC avaient l'intention de commettre un crime précis. Arrêt Senovic, paragraphe 996. Appeal judgment, paragraph 996. Je cite en anglais. And I will quote in English. The trial chamber correctly articulated the requisite mens rea for the first category of GCE, explaining that it had proved that the accused shared with the other GCE members the intent to commit the crime of the underlying offense. Fin de citation. Je rajoute également l'arrêt Muniakazi, 28 septembre 2011. En anglais encore, in English once again, the basic form of joint criminal enterprise, which is at issue in this case, requires that the accused must both intend the commission of the crime and intend to participate in a common plan aimed at its commission. De participer à un plan commun visant à la commission de ce crime. Et c'est bien ce que je vous disais au début de mon propos. Le problème à laquelle la Chambre de première instance s'est heurtée et qu'il n'a jamais établi que Kyo Sampan était animé de l'intention de commettre un crime spécifique, que ce soit dans le cadre des déplacements de population phase 1, phase 2 ou à Tulpol-Shrey. Et c'est pour ça que c'est en violation du droit et en parfaite contradiction avec la jurisprudence constante des juridictions pénales internationales, y compris celle de Nuremberg, que la Chambre a eu besoin d'utiliser un concept de moindre degré, la prévisibilité des crimes ou la conscience que l'accusé a eu de ce que ces crimes seraient très probablement commis. Et là, je renvoie au jugement 944, paragraphe 944. Ce critère qui est transposé illégalement de la doctrine de l'ECC, sur laquelle reviendra plus longuement mon confrère Kong Samon, était inapplicable et ne pouvait servir de sujet d'hier ou de palliatif à l'intention qu'un crime soit commis. C'est clair. Nous renvoyons sur ce point à nos développements dans le cadre de notre mémoire d'appel. Il est intéressant de noter que, comme je vous le disais, la question de l'introduction du mode opératoire récurrent avec toutes ces recherches d'éléments antérieurs à la compétence du tribunal n'avait que pour but pour la Chambre de trouver une base à cette possibilité que le crime soit commis. Avec cette mens rea moindre, il fallait trouver deux des éléments pour trouver un lien entre Kyo Sampan et le crime et pouvoir entraîner sa responsabilité. To convict him or to declare him liable. Je passe parce que je vois que mon temps arrive bientôt à sa fin et je dois répondre également
la question sur l'éventuelle requalification. Vous avez demandé des écritures recharacterization ce matin. And you asked us this morning, the co-prosecutor spoke about this morning. You asked for. Vous avez indiqué que vous envisagiez peut-être, c'est une possibilité, de requalifier le mode de responsabilité pour les crimes d'extermination lors de la phase 1 des déplacements de population, d'extermination lors de la phase 2, de disparition forcée et de persécution pour motif politique à tout. Le temps m'est compté, donc je renvoie évidemment à nos écritures F30-5, mais je veux quand même répondre aux observations F30-6 of the co-prosecutors. Tout d'abord, pour rappeler quelle était notre position, je résume notre position dans nos écritures. Au vu du droit applicable et des circonstances de l'espèce, voilà ce que nous vous avons dit. Nous vous avons dit, vous ne pouvez pas procéder à une telle requalification pour trois raisons. La première, cela reviendrait à introduire pour la première fois en appel un nouvel élément constitutif sur lequel la Chambre n'a pas été appelée à statuer. En effet, le CC comporte des éléments constitutifs différents, notamment la avec l'intention partagée de commettre un crime spécifique, est plus exigeant que les autres modes de participation sur lesquels la plainte a été poursuivie au terme de l'ordonnance de conclusion. Il ne s'agit pas d'un simple degré de participation. Il y a un certain nombre d'éléments spécifiques qui ne sont pas intrinsèques à l'accusation initiale. Je renvoie à nos écritures, paragraphe 18 à 27. Deuxième raison, vous aggraveriez si vous faisiez ça le sort de M. Quesampan, qui a interjeté appel, lui. Counselor, please slow down as the interpreter bien vouloir ralentir car l'interprète a du mal à vous suivre et nous vous accordons 10 minutes supplémentaires. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Ça me permettra d'avoir un peu plus de sérénité dans mon débit. Le deuxième point que nous avons soulevé dans nos écritures, c'est que la Cour suprême aggraverait le sort de M. Quesampan, qui a fait appel, tandis que le crime pour les co-procureurs n'ont pas fait appel de ce jugement, ils ont fait appel simplement d'une décision sur l'application de JCE3, et que s'étant abstenus, nous serions dans une situation où nous serions en violation du principe que vous-même avez rappelé, savoir la règle 110-3 du règlement, à savoir non reformation in peius, selon lequel la décision de recours ne doit pas réviser la décision de première instance au détriment du requérant, en l'occurrence, au détriment de celui qui fait appel, plaçant ce dernier dans une position plus défavorable que celle qu'il était dans laquelle il était avant le recours. Et là, ce serait le cas puisqu'on aurait une nouvelle forme sur ces crimes précis, une nouvelle forme de responsabilité qui n'avait pas été envisagée initialement. Et enfin, troisième obstacle, selon nous, la Cour suprême violerait le droit de M. Quesampan à une voie de recours, puisqu'en application de la règle, et j'ai un problème dans mes notes, enfin d'une règle du règlement, il n'y a pas de renvoi. Vous déterminez le sort de M. Quesampan en dernier ressort, et il n'y a donc pas de voie de recours sur, à la suite de cette nouvelle qualification. New characterization, which is an ultimate decision in this case. Que disent les coprocureurs en réponse, donc leur document F30-6, les coprocureurs vous demandent d'agir contre l'EGEM. Ils commencent par rappeler la règle 112, selon laquelle la Chambre peut substituer à la qualification retenue par la Chambre de première instance une autre qualification. Cependant, elle ne peut introduire un élément constitutif nouveau pour lequel la Chambre de première instance n'a pas été appelée à statuer. Je recommence. Let me please start again. Je renvoie à la règle 112. Like to refer to rule 110-2. La Chambre, effectivement, peut substituer à la qualification retenue par la Chambre de première instance une autre qualification. Another characterization to the characterization cependant, chosen by the elle trial ne peut chamber, introduire however, un élément constitutif nouveau sur lequel la Chambre de première instance n'a pas été appelée à statuer.
Il rappelle, and it recalls, et je pense qu'ils l'ont rappelé ce matin, où ils citent des jurisprudences de la CPI, des CEDH, mais aucune de ces jurisprudences n'est pertinente, dans la mesure où aucune de ces jurisprudences n'est basée sur un texte similaire dans le système judiciaire. Au CETC, le texte est clair, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. La Cour suprême n'a pas besoin d'être guidée par autre chose que la règle 110-2, et sont pendants dans le code pénal cambodgien, à savoir qu'il y a une interdiction formelle expresse à la Cour suprême d'introduire un élément constitutif nouveau sur lequel la Chambre de première instance n'a pas été appelée à statuer. Et ce que les coprocureurs vous demandent, ce n'est même pas de la requalification, c'est une extension de qualification. Or, une requalification, ce n'est pas une extension, c'est une substitution de qualification. On change, on remplace une qualification par une autre. Et la confusion des coprocureurs est flagrante, puisque au paragraphe 14 de leur réponse, ils vous demandent, en les étendant, ils vous demandent là, je cite en anglais, recharacterization of GCA convictions. La requalification des condamnations pour entreprises. Si vous deviez, et ils vous le demandent en les étendant aux crimes qui n'avaient pas reçu cette qualification au départ. Asking to extend this to the crimes that had not been characterized in such a way at the start. And this brings us back to précisément à l'obstacle que nous voyons, à savoir that we see, which is to say que puisque since, et c'est au paragraphe 19, les coprocureurs reconnaissent. Since the l'entreprise criminelle a des éléments constitutifs spécifiques, elements, et notamment, and in particular, the accused must have to participate in the common purpose, à l'objectif commun. Et là, mauvaise citation, enfin en tout cas, mauvaise explication, puisque nous rappelons encore une fois que l'intention requise n'est pas celle de participer au but commun, mais de commettre un crime spécifique. Et la règle 110-2 interdit formellement à la Cour suprême d'introduire des éléments constitutifs nouveaux. Donc, pour nous, il y a un vrai obstacle. Et dans l'arrêt Duke, puisque c'est dans cette jurisprudence qu'il y a eu la possibilité de requalification, la situation n'était pas la même. Il y a eu requalification par votre chambre sur des éléments sur lesquels la chambre de première instance avait été amenée à statuer. Elle avait été amenée à statuer. Là, je renvoie au paragraphe 15 de nos écritures. Vous avez pris le soin de respecter la règle 110-2 et l'article 401 du Code pénal cambodgien. Vous avez précisé que l'accusé n'avait pas été accusé de ses crimes avant d'indiquer qu'en déclarant formellement l'accusé coupable de 10 crimes, vous respectiez la règle 110-2 du règlement intérieur et l'article 401 du Code de procédure pénale cambodgien. Et là, vous avez cité la règle. Et là, je renvoie à l'arrêt Duke F28, à la note de bas de page 735. Footnote 735. Dans Duke, encore une fois, la chambre de première instance avait été appelée à statuer sur les crimes en question, ça, je ne sais pas de mode de responsabilité. L'idée ici n'était pas de mode de responsabilité ou de liability, mais en tout cas, si on voit le reste de la jurisprudence. We look at the rest of the par exemple, l'arrêt Stakic, au paragraphe 58-104, qui est cité par les coprocureurs à l'appui de leur position. On vous dit que c'est un exemple dont vous pouvez vous inspirer. Mais ce n'est absolument pas le cas, le même cas que la jurisprudence Stakic, puisque la différence fondamentale est que la chambre de première instance avait été appelée à statuer sur les crimes en question avant elle. Et ça, on ressort quand on vous regarde au paragraphe 58 et 104 de ce jugement, c'est très clair. La chambre de première instance s'était prononcée sur la question. En l'espèce, la chambre de première instance ne s'est pas prononcée sur le mode de responsabilité sur ces faits particuliers. On, these specific facts. On a parlé d'autres. Il convient aussi quand même de rappeler que nous avons eu
une instruction. Des juges d'instruction qui ne sont pas sur les questions, qui ont fait un choix. Le procureur avait la possibilité de demander une requalification à ce stade, ça n'a pas été fait. Pas d'observation sur les éléments au moment des observations ou des objections préliminaires. La Chambre elle-même n'a jamais invité les parties à une question, sur cette question à requalifier. Donc nous avons tout un procédure où nous arrivons et pour la première fois la question se pose au niveau de la Cour suprême et on ne peut pas priver M. Quesson-Pan d'un double degré de juridiction, précisément notamment parce que c'est lui qui a fait jurisdiction et aujourd'hui ce serait le maître dans une position beaucoup plus défavorable que celle qu'il avait avant de faire appel. Sur le reste, vu qu'il nous reste que quelques minutes, je vais aller très rapidement et éventuellement être à votre disposition sur les questions que vous pourriez avoir. Simplement, dire que la question de l'abaissement du standard en ce qui concerne la mens rea est la même pour l'aide et l'encouragement, même chose sur la planification. Et même chose sur l'incitation, sur l'aide et l'encouragement. En gros, l'élément moral de l'aide d'encouragement repose sur une coutume internationale et vise des coprocureurs. Il cite des arrêts. Il faut rappeler que l'arrêt fournit visa cite trois types, trois sortes d'éléments moraux, connaissance de la contribution, connaissance, identité d'intention entre le complice et l'auteur, et absence de mens rea. Mais là encore, rappelons que c'est une jurisprudence qui est postérieure à l'époque des faits. Je terminerai là simplement en indiquant, puisque je n'ai pas eu le temps de rentrer sur les éléments factuels, mais un exemple pour montrer à quel point l'argumentation de la Chambre, la construction de la Chambre, ses défauts est pleine d'erreurs et surtout ne correspond à aucune logique. Je renvoie au paragraphe 955 du jugement où on nous explique que le mode de responsabilité sur le fondement de l'entreprise criminelle commune et sur la connaissance supposée de M. Quesson-Pan sur l'intégralité des politiques fait qu'il savait tout le temps. Paragraphe 955, Quesson-Pan et que dit la Chambre? Elle dit, par conséquent, même s'il n'existe aucun élément de preuve établissant que Quesson-Pan avait connaissance de la nature spécifique des crimes commis sur le site de Toul-Poultrey, la Chambre de première instance est convaincue qu'il savait qu'existait alors un mode opératoire récurrent consistant, après la libération d'une zone, à arrêter, exécuter, faire disparaître les soldats et fonctionnaires de la République mère et à leur infliger de mauvais traitements. Vous avez par ce paragraphe la démonstration de ce que je vous ai dit depuis le début de ces audiences. Of what I've been telling you since the beginning of these proceedings, that is to say, the factual errors, sur la qualification des crimes, the errors with regard to the characterization of the crimes, sur, and the errors with regard to the modes of life of participation, have only one single objective, is to say that even if he did not know, even if he did not participate, even if there's no significant contribution on the part of our client, he has to be convicted, despite regardless of everything. And that is the core problem of the judgment. So, more call. President, thank you, Council, for your submissions. Pour cette présentation, nous allons avoir une brève pause. Et nous allons revenir ici à 3h moins le quart.